Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti anche in questa mattinata piovosa. Io vi presento, ho piacere di presentarvi i nostri ospiti, Fabio Perzetti che condurrà l'incontro, critico cinematografico per l'Espresso e Hollywood Reporter, e che ha anche ideato un po' questo incontro, e ringraziamo per questo. E naturalmente la vostra ospite, Françoise Chégari, ci racconterà un po' di Eric Rohmer. Grazie e a voi e buon incontro a tutti. Buongiorno, mi sentite? Io arriva, non ho una gran voce. Buongiorno a tutti, sì, grazie di essere qui. Io ho veramente il piacere, sono occupato molto, Rohmer è uno degli autori che ho seguito con più passione nella vita, l'ho anche incontrato una volta, cosa rara per i giornalisti, perché Rohmer non voleva incontrare mai nessuno, quindi sicuramente ho suggerito di invitare qui a Bergamo Françoise Chégari, che ha lavorato 30 anni con Eric Rohmer. Io immagino che sappiate già tutto, forse non ha bisogno di presentazione, ma insomma, i racconti morali, commedie e proverbi, i racconti delle quattro stagioni, quei film storici anomali, tra virgolette assurdi, che si è permesso di fare, non il Don e il Duca, Agente speciale, Personaggio di Allora, erano sempre film estremamente devianti, ogni volta erano delle scommesse enormi, sia dal punto di vista produttivo che dal punto di vista estetico e narrativo. Quindi insomma, poi vabbè, tutta la militanza iniziale della Nouvelle Vague, è uno dei grandi padri fondatori della Nouvelle Vague, con la Gazette du Cinéma, poi con i Cahiers du Cinéma, è nel grande gruppo fondatore, scrive un libro importantissimo con Chabrol su Hitchcock, che dà la linea a una generazione di critici, ed è soprattutto tra i registi della Nouvelle Vague uno di quelli che ha avuto la vita artistica più lunga, ha prodotto tantissimo, superando gli insuccessi iniziali di Sylvie Vuillon. Il suo film ci mette 3 anni a uscire, nessuno va a vederlo, è un disastro, per anni è un po' la pecora nera, il perdente della Nouvelle Vague, poi invece trova la sua formula, fa dei film importantissimi e soprattutto cambia continuamente registro produttivo. È per questo che è così importante parlarne con Françoise e Chégari, perché l'estetica, e, come dire, l'etica e la produzione erano intimamente fuse. Il cinema di Godard, il dispositivo proprio di fabbricazione era sempre indistinguibile da quello che poi insomma si vedeva sullo schermo. E Françoise Chégari, che è anche una regista, che ha fatto dei film, una regista che ha un film in corso, in lavorazione in questo momento, arriva nel mondo di Eric Rohmer dopo il grande successo, per dire il personaggio paradossale, dopo il grande successo delle Notti della Luna Piena, successo così grande che Rohmer decide di averne abbastanza, che non vuole più fare dei grandi film in 35 mm costosi, con direttori della fotografia importanti come Nestor Almendros, con attori di nome e di richiamo, che vuole tornare a fare un cinema piccolo piccolo, 16 mm, mezzi leggeri, girato dal vero, ed è lì che Françoise e Chégari entra in scena. E quindi io la prima cosa che le chiederei sono proprio i suoi primi ricordi, insomma, l'incontro con questo signore che era molto stravagante, era molto anomalo anche nel panorama fitto di personaggi singolari del cinema francese. Insomma, Rohmer era veramente un caso a parte. J'ai compris tout ce qu'a dit Fabio, ce qui est un miracle, mais je suis incapable de parler italien, mais ce qu'il dit est vrai. Et je pense que vous allez traduire. Oui, ok, ho capito tutto quello che ha detto Fabio, però sono incapace di parlare in italiano, però tutto quello che lui ha detto è vero. Hier, je lui ai tout dit sur Rohmer parce qu'on a visité la ville, donc il va vous raconter les histoires que je lui ai racontées. Ieri io gli ho raccontato tutto di Rohmer perché abbiamo visitato insieme la città, quindi lui adesso vi racconterà le storie che gli ho raccontato. En italien. In italiano. Direct, ça sera plus facile. Oui, pour moi aussi. Je répondrai à vos questions. Allora, se avete delle domande, è a vostra disposizione per rispondere.
J'ai fait 13 longs métrages avec Romer, 10 courts métrages, 12 courts métrages. J'ai travaillé avec lui 30 ans, 27 ans. Allora, ho fatto 13 lungometraggi con Romer, 12 cortometraggi, ho lavorato con lui 27-30 anni. Donc il ne sait pas tout. Quindi lui non sa tutto. Mais il va vous raconter le rayon vert, qui est le début du vrai travail qu'on a fait ensemble, Romer et moi. Ma vi racconterà il primo lavoro che io e Romer abbiamo fatto insieme, che è il raggio verde. E come on a le hasard chez Romer était incorporé dans ses films. E come per, anche per questo film, per Romer, il caso effettivamente contava moltissimo, ha contato moltissimo. On a fait le film à trois, come un film d'amateur, mm-hmm. avec Allo... une fille à l'image, une fille au son, et moi je faisais aussi le point. Abbiamo fatto un film in tre, proprio come se fossimo agli inizi, quindi c'era una camera, una cameraman e una... io... Facevo... En revanche, c'est une leçon qui est intéressante pour les jeunes qui veulent faire du cinéma. Romer a tourné Le Rayon Vert, Renette Mirabel, le pan anglais qui est très... L'Arbre, le Maire et la médiathèque, on l'a fait à trois. On était trois. Une personne au son, une personne à l'image. Eric faisait aussi, moi je faisais aussi le point ou le cadre. Mais Romer aussi faisait le thé, la cuisine, ce qui était très dangereux parce qu'il se coupait. Enfin. Ah, okay. No, beh, diciamo che questa comunque è quella di come Romero ha girato Il Raggio Verde, Renette Mirabel e L'Albero, il Sindaco e la Mediateca, sono delle vere lezioni di cinema, perché li abbiamo girati in tre, c'era una ragazza al suono, una all'immagine, Romer faceva anche il tè, faceva anche un po' di cucina, che era una cosa un po' pericolosa, però è veramente appunto cinema fatto artigianalmente. Oui, il était très très nul en cuisine, mais il savait très bien faire le thé. Ok, sapeva fare molto bene il tè, per fortuna, però in cucina invece meglio di... Les acteurs de Romer font bien la cuisine, à part Ariel Dombal. Ok, allora gli attori di Romer invece sono bravi in cucina. Donc, je vais laisser Fabio vous expliquer un peu Le rayon vert et l'irruption du hasard chez Romer, comment il l'utilise avec l'histoire du savant qui s'appelait Christian. Ah non, mais c'est vous qui devez raconter non, ça. Non, mais parce que je ne veux pas qu'on traduise. Alors, je préfère que vous disiez. Je vais introduire ça. Okay. No, mi sono scordato di dire due cose fondamentali, una seria e una meno. Quella seria è che Françoise ha scritto un bellissimo libro, molto sostanzioso, diviso in 118 capitoli, se ricordo bene, sui suoi 30 anni con Eric Romer, che si chiama le Conte des Mille et un Romer, quindi racconti dei mille e un Romer. È cronologico, cioè veramente tutto quello, è una miniera senza fine di non solo di aneddoti e storielle, ma insomma c'è anche una riflessione dentro piuttosto profonda, insomma, sul cinema di Romer e sull'esperienza di lavorare con lui. Del resto lei non è che venisse dal nulla, aveva già lavorato con un signore che si chiamava Jean-Luc Godard, con Jean Eustache, uno dei grandi maledetti della scena post-Nouvelle Vague, con Philippe Garrel, padre dell'oggi più famoso lui, ma insomma, grande regista. Quindi, però Françoise non era di per sé al cinema, è arrivata un po' per caso, viene da studi di lettere classiche, cosa che sicuramente è piaciuta molto all'iperletterato Romer, e insomma si sono incontrati su. Però la cosa meno seria che volevo dirvi è che Romer da qualche parte, sapete che Romer era un cattolico praticante, un cristiano fervente, e da qualche parte ci segue, perché insomma io ieri, arrivato a Bergamo, mi hanno detto: guarda, tu esci dalla stazione, prendi viale Giovanni XXIII, arrivi poi a sinistra via Tasso, sì, sembra facile, quando arrivi non capisci niente, quindi ho detto: cerco qualcuno nella piazza che mi indichi via Giovanni XXIII e faccio un mio casting, come dire, interiore, e appunto scelgo una coppia che camminava di spalle, c'era una ragazza e un signore, batto sulla spalla e il signore si scopre essere una donna, io gli chiedo: mi scusi, mi sa dire viale Giovanni XXIII? E dice: sì, però per favore, lentamente, era francese. Sì, via, ma non è possibile.
che io tutta Bergamo casco su una francese di Bergamo che sapeva perfettamente dove era, dovevo solo parlare l'italiano. E questa è la cosa stupida. La cosa bellissima è che ieri abbiamo fatto una lunga passeggiata molto romeriana, perché siamo andati a vedere la città dall'alto, nella notte, dopo cena, e Françoise mi ha raccontato una storia bellissima, che però adesso sarà lei a raccontare, successa sul... Voi avete visto il raggio verde, sapete che nel raggio verde c'è questa ricerca di questo effetto miracoloso, rarissimo, questa rifrazione che si produce al tramonto sul mare. Insomma, loro stavano girando il raggio verde, non so più dove, e succede questa cosa. A Biarritz. Allora, e che si passa? C'est vous qui l'avez fait. Donc, on tournait ce film comme des amateurs. Romer voulait rompre avec le système des nuits de la pleine lune. Il n'a pas écrit un mot du rayon vert. C'est un film improvisé. Allora, stavamo effettivamente girando in maniera amatoriale, perché Romer voleva completamente rompere con il sistema, e quindi il sistema di cui faceva parte Le notti della luna piena, e quindi Il raggio verde è un film totalmente improvvisato, non aveva scritto assolutamente neanche una parola. Il n'y avait qu'une idée de base, c'est Le rayon vert de Jules Verne, che è un roman de Jules Verne, qui est entre Helena Campbell et un héros, et à la fin, il ne voit pas le rayon, mais quand on voit le rayon ensemble, dans le film il le voit, et dans le roman il ne le voit pas, mais c'est leur regard qui sert de ça, on est assuré des sentiments de l'autre pour l'éternité. E la sola trama che avevamo era l'idea che veniva da romanzo Il raggio verde di Jules Verne, dove che in realtà si finisce in maniera diversa, nel senso che nel romanzo non viene visto il raggio, mentre nel film sì. Comunque la visione del raggio verde è la rassicurazione dei sentimenti della persona che abbiamo con noi. Donc, tout était en improvisation, on était trois, et pour lui, ce n'était pas un film qu'il voulait mettre dans sa filmographie, c'était un film d'amateur qui était comme un essai qu'il ferait pendant les vacances. Quindi era tutto improvvisato, e per Romer questo era un film che non pensava di mettere nella sua filmografia, era semplicemente una sorta di divertimento, di film fatto durante le vacanze, proprio in improvvisazione da amatori. Il voulait prouver aussi, parce que l'étiquette de Romer, c'est que c'est un cinéaste qui écrit ses textes de façon très précise, et c'est vrai à la virgule près. Il voulait prouver, parce qu'on lui reprochait que ses acteurs parlaient comme ça et articulaient beaucoup trop et qu'il n'était pas naturel. Insomma, lui voleva uscire dall'etichetta che aveva di essere un regista che per i suoi film scriveva tutto precisissimamente, i suoi attori ripetevano parola per parola quello che lui scriveva, e quindi non erano per niente naturali perché parlavano così. Il voulait prouver que dans la vie, un chauffeur de taxi, qui est vraiment un chauffeur de taxi, des gens qui sont la famille de Rosette, qui sont des gens pas du commun, que tous les gens qu'on a rencontrés parlaient aussi bien et avec aussi un vocabulaire tout à fait comme ça, et qu'ils articulaient dans la vie comme on lui reprochait dans ses films. On lui disait toujours qu'il est là, non, il a prouvé que les gens et tout le monde a cru que le film était écrit par lui. Alors c'est faux. Le chauffeur de taxi parle avec ses propres mots, il articule avec son propre phrasé. E lui voleva in realtà provare che effettivamente un taxista, la famiglia di Rosetta, come c'è nel film, quindi della gente comune, parlavano bene e articolando esattamente come i suoi personaggi. E il problema è che ha ottenuto l'effetto contrario, perché tutti hanno creduto che il film fosse scritto per filo e per segno da lui. Donc, on a tourné au Pays Basque parce que, je peux le dire, sa famille, parce que Romer, la famille de sa femme, donc ses beaux-parents, avait un appartement à Biarritz, c'était des gens du Nord, assez riches, et ils s'ennuyaient pendant les vacances.
Allora, abbiamo girato nei Paesi Baschi perché la famiglia, diciamo, dei suoceri di Romer, che aveva una casa a Biarritz, si annoiavano durante le vacanze. No, lui si annoiava. No, lui si annoiava durante le famiglie, sì, con la famiglia. Certo, certo, certo. Moi, je suis basque, je m'appelle Etche Garay, ce qui est un nom totalement basque. J'ai de la famille au Pays Basque. Donc, il m'a dit, pendant les vacances, on va se retrouver au Pays Basque, où vous avez votre famille. Et en 83, il a fait des repérages avec ma cousine. Moi, j'y suis allée. Il a rencontré des gens du Pays Basque. Et j'avais un ami qui était médecin, qui avait des cliniques et qui pouvait héberger les trois Marie Rivière, l'héroïne principale, Claudine, Sophie et moi, et ma famille. Et donc ça ne coûtait pas cher et on pouvait faire un film d'amateur avec juste une caméra. E allora, siccome appunto lui si annoiava, io sono dei Paesi Baschi, si vede dal mio cognome, e allora lui mi aveva chiesto effettivamente di venire da me dove alla casa della mia famiglia, e in effetti abbiamo fatto delle ricerche, delle location proprio nei Paesi Baschi, abbiamo incontrato della gente, e dove abitavo io effettivamente c'era un medico che poteva ospitare qualcuno del nostro, effettivamente la nostra troupe, che era ridottissima, per cui fra la casa della mia famiglia e fra questo medico ci costava poco e potevamo veramente fare un film amatoriale. Le thème du film, c'est la solitude et comment Marie Rivière se retrouve seule avec chaque fois qu'elle essaye de faire quelque chose, elle se retrouve seule. Donc le thème principal, c'est la solitude, et comme dans le roman de Jules Verne, la seule trame qu'il avait, donc on tournait en fonction des gens qu'on rencontrait. Et à chaque fois, c'était juste, on a tourné dans la famille de Marie, dans la famille de Rosette, avec des amis de Marie, et à la fin, tout dans les gens que je connaissais au Pays Basque. En revanche, on prenait tout ce qui arrivait, avec des scènes de déjeuner chez Rosette, et ça nourrissait le film, complètement en improvisation. Allora, di base il film, l'idea di base del film è la solitudine, perché il concetto è la solitudine di Marie Rivière, che tutte le volte che tenta di fare qualcosa di nuovo alla fine si ritrova sola. È un film che, come dicevo, abbiamo improvvisato completamente, perché anche appunto il procedere dei personaggi lo portavamo avanti raccogliendo delle scene della vita delle persone del posto dove eravamo, quindi ci sono delle scene girate in famiglia, della mia famiglia, la famiglia di Marina, la famiglia di Rosette, ci sono delle scene di colazione, di pranzo, e queste scene hanno nutrito effettivamente il film, che è tutta proprio un'improvvisazione. Donc pendant les vacances au Pays Basque, il était dans sa belle famille, et là tous les soirs on allait à Biarritz, ça s'appelle le plateau de l'Atalaye, qui domine tout l'océan, parce que pour filmer le rayon vert, il faut que l'horizon soit entièrement dégagé à 360 degrés, il faut des conditions atmosphériques, pas de vapeur d'eau et tout ça. Donc tous les soirs, on posait la caméra sur le plateau, il faisait mauvais, il y avait des nuages, donc on ne voyait jamais le rayon vert, on ne l'a jamais vu, mais on y allait tous les soirs, parce qu'il s'ennuyait dans sa famille. Insomma, Romer stava ad annoiarsi dalla famiglia dei suoceri, però tutte le sere c'era la macchina da presa piazzata in modo tale perché si vede il raggio verde, è necessario che l'orizzonte sia completamente sgombro da nuvole a 360 gradi. Ci sono delle questioni climatiche che devono essere precisissime, pioveva, c'erano le nuvole, c'era sempre qualche cosa che non andava, quindi il raggio verde non l'abbiamo mai visto, ma tutte le sere piazzava la macchina da presa in modo tale di vedere se si riusciva a catturare questo raggio verde. Donc tous les soirs on posait la caméra, il y avait Sophie, Claudine et moi, il n'y avait pas Marie Rivière parce que Marie ne tournait pas, c'était juste le soleil, la caméra était là et il y avait un chemin qui menait là. Et on attendait que le soleil se couche et qu'il n'y ait pas de rayon vert, parce que c'était impossible. Et d'un seul coup, ici, à la distance de la table, on voit arriver un couple. Et Eric me dit, appelez immédiatement, regardez, ce monsieur ressemble à Jules Verne, demandez-lui ce qu'il fait là.
Allora, mentre appunto piazzando tutte le sere la macchina da presa, c'eravamo Sofì, Claudine e io, c'era questo sentiero, questo percorso, insomma, che dove davanti a cui noi aspettavamo che calasse il sole e che non comparisse come al solito il raggio verde. Ma una sera abbiamo visto una coppia che si avvicinava e Eric mi ha detto subito: guarda, quel signore assomiglia a Jules Verne, vagli a chiedere che cosa fa qui. Donc je lui dis non, ce monsieur est avec sa femme, il fait ce qu'il veut et je ne vais pas lui parler, je ne vais pas lui demander ce qu'il fait là. Quoi. E io mi sono rifiutata lì per lì perché gli ho detto non ci vado, questo signore è con sua moglie, sarà qui e fa quello che gli pare. Je lui dis, il se promène. Fanno una passeggiata, fa quello che vuole. Et il me dit, il était très spécial, Eric, il me dit, si, allez-y, demandez-lui ce qu'il fait là. Et Eric a insistito moltissimo, m'a detto, sì, sì, vacci, chiedigli che cosa fanno qui. Donc il était là, ce couple était là, je vais vers eux et je demande à ce monsieur, bonjour, enfin bonsoir, qu'est-ce que vous faites là? E quindi in questa scena un po' ridicola, appunto, la coppia è lì davanti e io vado verso di loro e chiedo a questo signore: buonasera, che cosa ci fa qui? Tout en disant, il va me dire, je fais ce que je veux, je me promène, enfin vous êtes folle. Chiede, cioè, aspettandomi che questo mi risponda dicendo faccio quello che mi pare, lei, scusi, è matta. Mais ce monsieur me répond avec un accent allemand. J'attends avec ma femme tous les soirs, nous attendons le rayon vert. E questo signore con accento tedesco mi risponde: con mia moglie tutte le sere aspettiamo il raggio verde. Ça c'est une chose. Romère était toujours là, ils étaient là. Deuxième phrase: Romère, personne ne le connaissait physiquement parce qu'il ne voulait pas être filmé ni photographié, parce qu'on prenait le métro et il était très caractéristique. Et là, ce monsieur dit, je m'appelle Dr. Christlein et ce monsieur-là, n'est-ce pas Eric Romère? Donc il me dit, nous attendons le rayon vert et ce monsieur n'est-il pas Eric Romère? E quindi come seconda frase, considerate che appunto c'eravamo questa coppia, noi, Eric e Romère, non lo conosceva nessuno perché lui faceva proprio in modo di non farsi fotografare, di non farsi vedere, si riconoscere, perché voleva girare tranquillo in giro, e questo signore mi dice sì, noi aspettiamo il raggio verde e quel signore non è Eric Romère. E Romère étant là, il entend son nom par ce monsieur, alors que... Et il s'approche et je lui dis, ce monsieur s'appelle Dr. Christlein, il attend le rayon vert, ce qui paraît évident à Romère, puisqu'il tourne, donc quelqu'un va chercher le rayon vert. Et deuxièmement, ce monsieur lui dit, vous êtes bien Eric Romère, je vous ai vu en Allemagne, à Hambourg, parce que Romère est allé présenter la marquise d'O 10 ans avant, 15 ans avant, et ce monsieur était dans la salle. E allora a quel punto Romère si sente nominare, quindi si avvicina a questa coppia e io gli dico, guarda, questo signore si chiama Christlein e questo signore gli dice, lei è il signor Romère, io l'ho vista una volta ad Amburgo quando lei è venuto 15 anni fa a presentare la Marquise d'O, io ero in sala al cinema. Romère lui dit oui. D'habitude, il disait non, je me suis pris quand même. Là, il dit oui. Et là, il lui dit, et le docteur Christlein lui dit, Eric lui dit, vous attendez le rayon vert. Et Christlein répond, oui, avec ma femme, nous venons souvent en vacances à Biarritz et nous attendons le rayon vert. Romère lui dit, qu'est-ce que vous faites? Et Christlein répond, je suis physicien et je peux vous expliquer. Eric lui dit, alors c'est quoi le phénomène de rayon vert? Il nous explique ça. Allora, quindi Romère a questo punto dice effettivamente di sì, dice, ammette di essere lui perché talvolta diceva di no, e chiede effettivamente che cosa fa questo signore e gli dice, allora dice, aspettiamo tutti e due il raggio verde, e questo signore tedesco gli dice sì, siamo qui in vacanza, veniamo spesso a Biarritz in vacanza e siccome sono io sono un fisico e vi posso raccontare qual è effettivamente il fenomeno, come funziona il fenomeno del raggio verde. Le lendemain, avec des amis à moi qui étaient professeurs de français
on devait avoir une scène où elle parlait du rayon vert de Jules Verne avec Marie Rivière. Enfin, Marie écoutait ces femmes parler du rayon. Et là, Romer demande au docteur Christline, demain je tourne, est-ce que vous pouvez venir et raconter à ces femmes, enfin, des amis, on ne comprenait absolument rien de ce qu'elle racontait. Il y a des femmes qui vont parler du rayon vert, Jules Verne et tout ça, le docteur Christine, il le regardait comme ça. Et il lui dit, est-ce que vous voulez bien venir, vous vous asseyez sur un banc, ce n'était pas du tout à ce moment-là, vous vous asseyez là, et vous parlez du rayon et vous expliquez ce que vous venez de dire. Allora, il giorno dopo dovevamo girare una scena con dei miei amici esperti di letteratura ed era una scena appunto in cui Marie Rivière sentiva raccontare del romanzo di Jules Verne su Raggio Verde e allora Eric chiede al dottore e gli dice ma potrebbe venire domani a parlare, a raccontare quello che ci hai raccontato adesso? Il dottore non aveva idea dopo di che cosa parlassero, però potrebbe venire, domani giriamo, se viene a raccontarci quello che ci ha appena raccontato su Raggio Verde, ci farebbe un favore. Il lui explique sur quel banc on va tourner et Romer ne voulait pas qu'on l'appelle chez ses beaux-parents, donc il n'avait pas le téléphone. Donc c'est que moi, que ce monsieur, je lui donne mon numéro, il me demande mon numéro. Allora viene fatto uno scambio di numeri di telefono, ma non quello di Romer perché era a casa dei suoceri e non voleva che fosse, non voleva essere rintracciato là e quindi c'era solo il mio numero di telefono. E al signore viene detto dove verrà girata la scena. E ce docteur Chrysler m'appelle vers 8h, 9h du soir et me dit pardon madame, c'était plus tard puisque je sais pas, il était au moins 10h, est-ce que je pourrais avoir un tableau noir? Parce que comme il était physicien, il voulait expliquer sur un tableau où il n'avait pas compris que c'était dehors, il ne comprenait rien. Et alors, questo, il dottore mi telefona, il dottore del tedesco mi telefona e mi dice, mi scusi, potrei avere una lavagna nera? Perché siccome era, effettivamente, essendo un fisico, lui voleva spiegare per bene con la lavagna come effettivamente, non aveva capito come funzionavano le cose. Il aveva assez peur, parce que je lui ai dit non, c'est juste... Ces femmes, Marie, l'héroïne, sera cachée, elle entend des professeurs qui parlent de Jules Verne, et vous, vous êtes là aussi et vous expliquez, vous parlez du rayon sur le plan physique, enfin, comment ça se passe avec la réfraction, la diffraction. Et en réalité, lui aveva un po' paura di girare questa scena perché non sapeva come funzionava, ma in realtà io gli ho detto appunto di no, che non c'era bisogno della lavagna perché sarebbero stato appunto soltanto un discorso sentito alla lontana di professori che parlavano del romanzo di Verne e lui invece si sarebbe inserito parlando del raggio verde dal punto di vista fisico, della rifrazione, eccetera. Donc ça donne une scène que tout le monde croit écrite. Ce docteur Christline ressemble à Jules Verne, il parle du rayon vert, il est physicien, il est dans le film, il improvise absolument tout ce qu'il fait. Et Romer avait une théorie, tout est fortuit sauf le hasard. quindi questa scena che è assolutamente improvvisata sembra veramente scritta perfettamente perché c'è appunto questo professore che assomiglia a Jules Verne, che è un fisico che sta cercando il raggio verde veramente, ma è proprio quello che diceva Romer, che Romer diceva questo motto che diceva che tutto è fortuito tranne che il caso. Donc le hasard fait partie des films qu'on a tourné. C'est-à-dire que le hasard est toujours positif. Le hasard au cinéma, si on croit dans le cinéma, on croit que le hasard advient toujours positivement et qu'il faut croire dans le cinéma parce que le hasard finalement n'existe pas. Si on croit, il y a toujours quelque chose qui arrive, qui est toujours bénéfique. E il caso è assolutamente sempre positivo ed è sempre positivo, quindi se si crede al cinema si crede anche al caso e bisogna crederci anche perché altrimenti il caso non esiste. La foi de Romer dans le cinéma avait à voir avec sa foi catholique et on avait souvent des discussions à ce sujet. Et je crois que Romer plaçait l'art au-dessus de la vie, au-dessus de sa propre vie et de sa famille, enfin de tout. Et que il croyait en Dieu, parce que Dieu est un créateur.
et que quand là s'est créé, et ce qui reste de l'homme, c'est pas du tout le réel, c'est pas du tout ce qu'il y a, c'est ce qui est transcendé par les Égyptiens dans les... dans les pyramides, par Van Gogh, par Léonard de Vinci. Ce qui reste de l'humanité, c'est l'art. Et si le cinéma est un art, ce qui est problématique, puisque maintenant, c'est plus un produit, on trouve. Enfin, avec Romer, on était assez... Mais en tout cas, le cinéma durait 100 ans, où il est monté quand même, où il mélangeait, c'est un art bâtard, mais qui mélangeait l'architecture, la peinture, à cause du cadre, la littérature, la musique. Bon, moi, j'ai travaillé avec Godard. Godard n'aimait pas les histoires. Romer racontait des histoires. En tout cas, peu importe leur style, pour Godard, comme pour Romer, comme pour ces gens de la Nouvelle Vague, le cinéma était un art majeur. C'était vraiment le septième art. Et à ce titre-là, c'était croire. Croire pour Romer, c'était croire en Dieu et croire dans le cinéma, donc dans l'art qu'il faisait. Ce à quoi il a sacrifié sa vie totalement. Il se levait à la même heure, il mangeait les mêmes choses, il dormait à la même heure, pour se tenir en forme. Jusqu'au bout, on a tourné jusqu'à ses 90 ans. Et beh, dunque, nella vita di Romer, sicuramente la fede, la sua fede nel cinema, la sua fede cattolica, sicuramente si mescolavano moltissimo, perché diciamo che lui credeva nel cinema oltre, cioè era veramente la sua vita, ha sacrificato la sua vita. E lui credeva in Dio in quanto Dio è Dio creatore. Se il cinema è un'arte, il cinema è un'arte, e per lui e per quelli come lui che venivano dalla Nouvelle Vague, come lui, come Godard, eccetera, il cinema era realmente la settima arte, perché il cinema è una sorta di arte un po', virgolette, bastarda, che mette insieme tutte le altre arti, mette insieme architettura, pittura, letteratura, musica. Però quello che effettivamente rimane è effettivamente la creazione, anche a livello umano, quindi le opere, che fossero le opere degli Egizi, che fossero le opere di Van Gogh, quello che rimane quindi è il trascendente. E quindi per Romer era realmente il cinema, era realmente una fede a cui ha dedicato tutta la sua vita. Sì, la questione del credere, della fede, è assolutamente centrale, insomma, in tutta l'opera di Romer, prima, cioè a monte e poi alla fine nel risultato finale. Ma la cosa curiosa che non abbiamo ancora detto è che questo signore integerrimo, rigidissimo, pieno, credo, di tic, di manie, di insomma, con una mania del controllo assoluto, era anche contraddistinto da una enorme e rivendicata, come dire, duplicità. Éric Rohmer in realtà si chiamava Maurice Scherer, che molti di voi sapranno. Éric Rohmer è l'anagramma del suo nome. Curiosamente, mi raccontava ieri sera Françoise, sua moglie faceva di cognome, De Crayoncourt, per chi lo sa, è l'anagramma di Yourcenar, perché Marguerite Yourcenar nasce di Crayoncourt, dunque c'erano due signori, questa coppia, c'erano anagrammi familiari, so che è curioso. E in quella famosa estate del 1983, lui tenne nascosto ai suoceri, alla moglie, alla famiglia, perché lui a casa era Maurice Scherer, non era Éric Rohmer. C'era Scherer e c'era Romer. Romer girava un film così, quasi in clandestinità, con Françoise e pochissimi attori e i tedeschi che incontrava per caso sul Copuzzolo. Poi a casa era il marito, il padre di famiglia, eccetera, eccetera. E forse non a caso il suo penultimo film, che qui purtroppo mi sembra non sia in programma, cercato, meraviglioso, si chiamava Triple Agent. In italiano è agente speciale, titolo stupido, che speciale, triplo. Nemmeno doppio, quindi insomma, aveva molto, quindi dietro tutta questa integrità, questa fede, questa ossessione per la fedeltà, poi c'era appunto una contraddizione gigantesca, la condizione in cui tutto questo fosse possibile era di essere intanto lui due persone. E se ben ricordo, lei, Françoise, si rivolgeva a Romer chiamandolo Éric, ma a casa lui era Maurice. Donc oui, il était. Moi, j'ai connu Éric Rohmer. Okay. Je ne connaissais pas Maurice Scherer. Okay. Je savais que Maurice Scherer avait été, avait écrit aussi au début. Sa mère ne savait pas, mais ça, tout le monde le sait.
Sa mère n'a jamais su qu'il faisait des films. J'ai rencontré sa femme et ses enfants à sa mort. Je suis restée amie. Sa femme est morte il y a 6 mois. Elle me parlait de Maurice et moi je parlais d'Éric. On parlait du même. Et c'est à sa mort que j'ai parlé à sa femme et qu'on a parlé ensemble du même homme avec deux prénoms différents. Donc maintenant, je ne sais pas, je l'appelle Maurice à cause de Thérèse, mais pour moi, Éric Rohmer, c'est le cinéaste avec qui j'ai travaillé. Beh sì, era effettivamente, è noto che la madre non ha mai saputo che lui per esempio facesse dei film e io ho visto la moglie, ho contato la moglie soltanto alla sua morte, la moglie e i figli e ci siamo parlate e parlavamo dello stesso uomo con due nomi diversi, nel senso che lei mi parlava di Maurice, io gli parlavo di Eric, le parlavo di Eric e adesso io sono appunto sempre un po' in contrasto perché appunto non so mai se parlo, cioè, però per me comunque il cineasta rimane Eric Rohmer. E poi quando parlo in maniera familiare, quando parlavo con sua moglie, era Maurice. Donc peut-être triple agent, effectivement. Cette dualité par rapport à triple agent, sur le fait que c'est un agent plus que double, mais triple. Peut-être que Rohmer avait un autre prénom que je ne connais pas, il s'appelait Paul. Può darsi che effettivamente questa triplicità che c'è in triple agent, in agente speciale, che appunto è un agente speciale che non ha due facce ma tre, può darsi che noi non sappiamo che magari Rohmer avesse un terzo nome, magari Paul. Voilà, donc c'était quelqu'un qui scindait vraiment, et j'ai rencontré aussi son frère, qui était professeur de philosophie à Ulm, à l'école normale supérieure, à sa mort aussi. Donc ça, c'était vraiment une rupture absolument totale. Lui connaissait ma vie, s'en est inspiré pour ses films, connaissait mes enfants, connaissait mes compagnons, mais moi je connais. J'ai vu une fois une photo de ses enfants qui m'a montré, parce qu'ils étaient allés à la montagne en vacances, il m'a montré une photo en me disant « Ah, c'est ma femme et mes enfants !» Et si, era veramente una persona che era capace di scindere queste due personalità e questi due personaggi completamente, queste due persone diverse che lui era. E ho conosciuto suo fratello, per esempio, che era professore di filosofia, anche lui l'ho conosciuto alla morte di Eric. Eric sapeva tutto della mia vita personale, conosceva la mia famiglia, mentre io ho visto, ecco, forse mentre lui era in vita, ho visto una volta una foto dei suoi figli perché erano stati in montagna insieme e mi ha fatto vedere la foto e poi basta. Mais peut-être savoir avec son œuvre aussi, parce que Rohmer, ses films sont terriblement, ce qu'on disait hier, très sensuels, très, très presque érotiques quand même, il y a des scènes. Or, c'était quelqu'un de totalement cérébral par rapport aux histoires contemporaines. Jamais Rohmer n'aurait touché ma main ou l'épaule. Il était toujours très distant, très sec. Il n'était pas du tout dans un rapport. On discutait des heures et des heures avec ses actrices aussi, ça l'inspirait. Mais, et ses films ne sont pas du tout ce qu'il était. Or, ça, c'était un cérébral pur avec une articulation. Enfin. Mais en même temps, ce qui transparaît dans les films, c'est quand même cette sensualité qui était forcément la sienne et qui était complètement. C'est pire qu'un serial killer. Il avait quand même. Parce qu'il était dans la vie l'antithèse de ce qu'on voit à l'écran. Rohmer, quand on le touchait, si on le touchait l'épaule. Parce que pendant le rayon vert, je massais Claudine qui avait mal aux épaules. Okay. Et un jour, il m'a dit, vous pouvez... Et moi, je l'ai touché, mais c'était du béton armé. Ah. C'était quelqu'un de totalement, totalement concentré, pas du tout. Il courait, il était très sportif, mais terriblement, comme ça. Or, son œuvre est l'inverse. Son œuvre est complètement... Enfin, si vous voyez Conte d'été, c'est des films d'une sensualité incroyable. Donc peut-être ça a à voir aussi avec cette espèce de dichotomie qu'on voit dans sa vie. Bon, j'arrête parce que... No, in effetti questa dicotomia che c'era appunto nella sua vita è una cosa che ricopre proprio tutti
tutti i lati della sua vita, perché se noi pensiamo ai suoi film, nei suoi film spesso traspare una notevole, una certa sensualità, un certo erotismo. Pensiamo, non so, a Conte e Te, che da noi è un ragazzo tra ragazze, sono film appunto estremamente sensuali. Lui era una persona estremamente cerebrale, era una persona distaccata completamente, con cui non ci si toccava, non ci si dava una pacca sulla spalla, totalmente sempre teso e concentrato, tanto è vero che a me capitò di toccargli una spalla in un momento in cui aveva male al collo della spalla ed era tesissimo, assolutamente tesissimo. Insomma, era, diciamo che lui era in vita, era l'antitesi di quello che si vede nei suoi film, quindi quasi come un serial killer in un certo senso, da un certo punto di vista. Il était obsessionnel, c'est-à-dire pour les films locaux. Par exemple, ça c'est impossible. C'est en travaillant ensemble, ça c'est impossible parce que Robert ne supportait pas. Il fallait que ça soit parallèle à ça. Et quand on travaillait ensemble, si j'avais ça et que je le mettais sur la table comme ça, il était en face de moi. Ouais. Il me disait pardon, mais non. Ça vous en dirait de le mettre parallèle. Bah, il était pascalien, c'était de l'esprit de géométrie. Démon, là, voilà, c'était l'esprit de géométrie. Et un jour, il m'a parlé de sa femme en disant qu'elle était comme moi, qu'elle mettait chez eux les objets de travers. Ah, okay. Ce qui est très mal. Parce que c'est pas parallèle. Là, c'est pas tout à fait parallèle. Era veramente ossessivo in tutto quello che faceva, per esempio appunto su un tavolo i microfoni per lui sarebbero dovuti essere così assolutamente paralleli al tavolo, quindi se io avevo su un tavolo avevo dei fogli, me li spostavo in modo che fossero paralleli. Un giorno mi ha anche detto appunto che sua moglie era come me, perché lei metteva gli oggetti in posizione diversa sul tavolo ed era una cosa molto grave. Donc comme on a travaillé 30 ans ensemble, à la fin, moi je devenais obsessionnelle et lui un peu bordélique. E comunque, dopo aver lavorato 30 anni insieme, a quel punto sono diventata io ossessiva e forse lui ha lasciato forse un po' andare, ma mi ha passato una parte della sua ossessione. C'est vrai, je suis devenue, c'est vrai que maintenant je le vois. Parce que ça a été tellement, je vois que ça c'est de travers. Quindi lo noto immediatamente se c'è una cosa di traverso. Si le chaises sont pas droites. Dans le cadre, que vous vous attendez dehors. E per esempio le sedie per esempio non sono calibrate esattamente, sono con solo dei c'est horrible, je vois le monde maintenant, le gambe. Però è terribile vedere il mondo così. Vous n'êtes pas dans le champ et vous êtes coupé là, je vois votre pied dans le champ. Je io vedo come se fosse appunto una ripresa, madame, quindi lei è fuori campo per esempio. C'est fou, mais il n'y avait pas la vie. On n'a pas vécu pendant 30 ans. En prenant le bus, on voyait les couleurs, on allait voir des expos, et par exemple ça, c'était par rapport à un film, on aurait dit ça, voilà. Tout ce qui était dans la vie, ou cette couleur-là, avec ça, ils pouvaient se dire, ah mais ça, c'est et puis ça rappelle tel peintre, et ça servait sans arrêt au film. Il n'y avait pas de rapport réel, le réel n'existait pas. On n'a jamais vécu dans le réel, c'est horrible. È impressionante perché praticamente per lui sempre, noi comunque per 30 anni non abbiamo mai vissuto nella vita reale, perché il reale non esisteva mai, anche quando si prendeva l'autobus, si andava in giro, si vedeva una mostra, c'era sempre un riferimento, quindi un quadro di una poltrona, una cosa, un riferimento cinematografico al cinema, quindi era sempre al non reale. E ma figlia, la plaie Nosferatu, elle me disait, Eric, il est tout le temps comme Nosferatu à chercher. Elle avait peur de lui parce qu'il était petit, elle me disait, il est. Elle avait peur de lui. E c'è mia figlia che non è tanto alta, si sentiva come dire un pochettino oppressa da lui, che era alto, invece lo chiamava Nosferatu. Alors, comme c'était quelqu'un complètement paradoxal. C'est la personne avec qui j'ai le plus ri au monde, tous les jours on riait. C'est quelqu'un de très drôle, qui imitait tout le monde, et qui avait un humour à froid. Et pendant un an, je ne comprenais pas qu'il se moquait de moi. Ah. Je ne comprenais pas.
Il avait un humour comme ça, mais il était tellement glacial avec ses yeux bleus. Enfin, c'était pendant là. Mais on s'est connus en 77 et quand on se voyait, parce que je l'ai aidé sur Perceval, comme j'avais fait du latin, du grec, sur Perceval de Gallois, je l'ai aidé à mettre en vers. On passait l'après-midi pour savoir ce qu'il rimait avec étoile, parce que ça marchait pas. Donc à la fin, ça faisait, il me disait, mais non, mais au Moyen Âge, on disait étouille-le, donc ça rime. Mais c'était complètement dingue. Mais je riais beaucoup. C'était quelqu'un de très très drôle. Et ça, c'était complètement paradoxal par rapport à son côté. Et pendant un an, deux ans, je comprenais pas qu'il se moquait de moi. Mais tellement c'était. Puis un jour, j'étais allée voir la marquise d'eau et je trouvais ça drôle. Je sais pas pourquoi, c'est pas drôle du tout. Et je lui ai raconté ça. Et il m'a dit oui, c'est possible, parce qu'il m'a mimé, lui, de la scène où le père tire et tout, qui est pas drôle du tout, en me le mimant lui, en me disant vous voyez que c'est drôle. Et d'un seul coup, je me suis aperçue qu'il se moquait de moi et j'ai fait comme lui. À froid, je me suis moquée de lui. Et là, il m'a regardé, il s'est dit ça y est, je suis pas si bête que je croyais. Tout va bien. C'était très étrange, ça. Il avait un humour qui n'était pas le mien, d'ailleurs. Mais ce qui fait que, par exemple, un truc complètement crétin, ce qui ne faisait plus rire, mais je ne sais pas, en italien, c'était « Comment vas-tu, yo de poil, et toi, la matelas ?» Il me disait ça, il se pliait de bien. C'est débile. C'est un truc d'enfant. Ça le faisait voir, des trucs. Allora, era un personaggio assolutamente paradossale e nell'essere suo, nel suo essere paradossale è anche la persona con cui io ho riso di più e mi sono divertita di più in tutta la mia vita, perché aveva uno humor incredibile, uno humor di quelli proprio che ti gelano proprio assolutamente e soprattutto talvolta anche difficile da percepire. Io devo dire che per un paio d'anni ho fatto fatica a capire effettivamente quando prendeva in giro me. E poi c'è stato un momento in cui abbiamo fatto un commento sulla Marquise d'O, io gli ho detto che mi sembrava come dire buffo, strano eccetera, e lui mi ha imitato una scena dandomi ragione, io ho risposto al suo humor e lui finalmente ha capito che non ero così cioè che ci arrivavo effettivamente a capire quello humor e che quindi ero migliore di quanto lui pensasse, ma veramente era una persona divertentissima e con questo humor assolutamente spiazzante. Là il y a une rétrospective à la Filmothèque. La salle est jeune en majorité et les gens rient beaucoup et c'est la première fois que je vois Comte d'été et tous les films de Romère sont en beaucoup d'humour. Mm-hmm. Et là ils le perçoivent et tout le monde rit à chaque réplique, alors que Comte de printemps, là j'ai revu Comte d'été. Mm-hmm. Quand je vois le public rire, je cours et c'est très drôle. Et ça, je l'avais moins vu. Parce que comme je fais tout sur les films, il y a un moment où je ne trouve pas drôle du tout. Mais je ne sais pas ce qui me restait. Et là, c'est la première fois que je vois à quel point on peut le voir sur plusieurs plans. Et sur le plan de cet humour qui est absolument partout. Et à la fois, c'est très profond sur la solitude. Il y a d'autres domaines, mais en même temps c'est drôle, c'est très étonnant, là j'ai une part avec les réactions du public. Et mi è capitato di rivedere alcuni dei film di Romère, in particolare con d'été e con de printemps, e con un pubblico, una sala piena di pubblico giovane, e ho sentito più e più volte ridere durante il film e mi sono resa conto che dipende molto dal pubblico, ma c'è un pubblico che è in grado di effettivamente cogliere quell'umorismo che in realtà è sempre presente in Romère, ma i suoi film hanno tanti livelli diversi, spesso vanno verso il concetto della solitudine, quindi sono più c'è meno lo humor è meno chiaro, però effettivamente c'è un umorismo che pervade costantemente i suoi film, quindi dipende dal pubblico riuscire o meno a cogliere. C'était toujours un paradoxe entre le fait qu'il était obsessionnel et qu'il pouvait jouer dans la vie avec Toscan ou à faire des trucs de gamin, quoi, d'enfant. Alors deux secondes après, il y avait une crise parce que ça n'était pas carré. Il pouvait
claqué de la porte sur un Toscan qui nous poursuivait dans l'escalier. Il disait on l'a eu comme un gosse de 2 ans. Et 2 secondes après, il y avait une crise parce que je sais pas ce que je. Et si, era proprio un personaggio paradossale perché passava da un momento in cui aveva questa mania, questa precisione totale, poi c'era un momento che era felice come un bambino perché magari appunto la scena era venuta bene, oppure faceva per strada, faceva degli scherzi proprio da bambino, per cui era proprio un personaggio bifronte. Magari sbatteva la porta in faccia a Toscan di Plantier, che era un produttore importantissimo, che lui trattava come l'ultimo degli imbecilli. Poi era tutto contento. Allora, abbiamo capito, ci sono due come dire, concetti chiave, no? Per capire proprio la vita e l'opera di Romero. Una è la fede, il credere, con ostinazione, con abnegazione fino alla fine, che qualcosa accadrà, perché qualcosa effettivamente accade. Quindi il tema proprio del miracolo, in fondo, è in qualche modo, che poi viene da Rossellini, è centrale in tutto il suo cinema, e l'altro è la duplicità. C'è una cosa che vorrei raccontare, che io stesso non mi ricordavo, l'ho riscoperta questi giorni, che Romero era un accademico mancato, veniva da una famiglia di studiosi, tentò il concorso all'École Normale, prestigiosissima università di grado appunto superiore, l'École Normale Supérieure a Parigi, un paio di volte e senza riuscirci. Tentò di ottenere l'agrégation, che è un altro, un'abilitazione a un insegnamento di un certo livello, per un paio di volte senza riuscirci, ma per fortuna, perché avremmo avuto un accademico in più, ma non avremmo avuto Eric Romero, insomma, e quindi c'era questa strana schizofrenia poi coltivata appunto col doppio nome, la famiglia all'oscuro, eccetera eccetera. Ma io c'è una cosa che però non riesco ancora a capire. Adesso François ci ha raccontato che in realtà avevano cominciato a collaborare ancora prima ai tempi di Perceval e Galois, però insomma la collaborazione vera scatta proprio dopo Le notti della luna piena. Ma perché ne aveva abbastanza? Allora, Romero per anni ha fatto film con attori importanti, ha scoperto e lanciato Fabrice Luchini, Ariel Dombal, Pascal Grégory, Jean-Claude Brialy all'inizio, Haydé Politoff e Patrick Beauchau hanno avuto delle carriere, i protagonisti della collezionista, Bruno Ganz non era nessuno al cinema prima di fare La Marchesa Ford. Quindi, come dire, giocava proprio in serie A. Perché a un certo punto un signore che ha avuto anche dei grandi successi critici e di pubblico decide che tutto questo ne ha abbastanza, che vuole cambiare regime, che vuole fare altro? Ma pas du tout, parce que Fabrice n'était pas connu quand il a fait Perceval. Ariel, tous ces personnages-là, Ariel non plus, c'est lui qui les a inventés. Oui, donc il ne prenait pas. En revanche, il m'en a parlé avant qu'on puisse se permettre, et on ne l'a pas fait pour l'anglaise, il a pris Dreyfus. Il voulait absolument, dans Ma nuit chez Maud, c'est pas Jean-Claude Brialy. Trintignant, merci. Il voulait absolument Trintignant, il n'arrivait pas à avoir Trintignant parce que la production, Jean-Louis était pris pendant 2 ans et on lui a conseillé de prendre d'autres acteurs plus bankable, et il voulait parce que pour lui, c'est Trintignant, c'est pas qu'il était connu, c'est qu'il incarnait totalement ce personnage. Donc il y avait une adéquation, c'était pas la célébrité. Brialy, il le connaissait. Par la clique Truffaut, Godard, des cahiers du cinéma, Bernadette Lafont, enfin tous ces gens-là sont mêlés et ils le connaissaient comme ça. Et Brialy était un ami, donc il a repris, Jean-Claude, je l'ai rencontré plus tard. Mais il y avait, c'est pas une question de notoriété. En revanche, pour l'anglaise et le duc, qui est le dernier, enfin, il a fait 2 films après, et c'est un film qui a coûté 6 millions et que j'ai fait avec Pathé. Et Pathé voulait absolument que pour l'anglaise, parce que ça coûtait très cher ce film, on prenne quelqu'un de célèbre. Et on a tout fait, Christine Scott Thomas. Il voulait pas Christine Scott Thomas, qui était très bien, mais qui était trop vieille. On a pris une inconnue, ce qui était très difficile. En revanche, c'est lui qui a trouvé Jean-Claude Dreyfus, bon après je vous laisse. Jean-Claude Dreyfus, évidemment, est juif. Il a toujours eu... avec son nez, et Romère l'a pris parce qu'il avait un profil bourbonien et qui ressemblait au duc d'Orléans. Et donc c'est pour ça qu'il a pris Jean-Claude. Et Jean-Claude me disait,
Toute ma famille a été exterminée à Auschwitz. C'est la première fois qu'on me dit que je suis Bourbon. Je vais appeler ma mère. Mais donc, il l'a pris parce que Jean-Claude ressemblait au duc d'Orléans. Mais pas parce qu'il était un plus connu, je ne sais pas quoi, c'est parce qu'il était, il avait le profil bourbonien. Beh, parlavamo appunto degli attori e sicuramente la scelta che faceva degli attori era assolutamente dovuta proprio al fatto che voleva un attore perché incarnava il personaggio che lui aveva pensato. Per esempio, per La mia notte con Maud, lui voleva assolutamente Trintignant, non perché lui fosse famoso, ma proprio perché incarnava il personaggio del suo film. E per L'Anglaise, per esempio, che era della Pathé, era un film che aveva un grosso budget, che costava molto e volevano assolutamente qualcuno di famoso, e lui comunque nel cast mise Jean-Claude Dreyfus perché Jean-Claude Dreyfus era ebreo, col suo naso da ebreo, e Romer lo scelse perché somigliava al Duca d'Orléans, perché aveva secondo lui questa immagine di Borbone, e Dreyfus commentò ridendo che obiettivamente la sua famiglia era stata sterminata durante il nazismo, e era la prima volta che gli dicevano che effettivamente aveva questo tipo di aspetto. Dice: adesso chiamo mia madre, chiamo mia madre che è sopravvissuta, glielo racconto. Vuol dire che c'è Bourbon. Dire che effettivamente era Borbone, non era. Je sais bien qu'ils n'étaient pas déjà connus, mais ils ont découvert et lancé des comédiens qui ont eu des grandes carrières. Pourquoi il a renoncé à tout ça? Il a décidé de jouer dans une autre. Non, c'est parce que. Mais quand même, on a eu Kester sur Conte de printemps. Melville Poupeau était quand même un peu connu. Il n'a pas pris des inconnus. Chez les filles, oui. Mais on a continué avec Fabrice dans L'Arbre le Maire. Bon, ouais. Moi, je joue, je ne suis pas très connu. J'ai trois phrases. Autrement, il a gardé Ariel, Pascal Grégory. J'ai fait toute seule. Avec pas d'argent du tout, rien, il n'a pas payé les gens. Il y avait quand même Ariel, Pascal Grégory, Fabrice Lucchini qui était très connu à l'époque. Donc il n'a pas fait avec des gens plus connus. Et on l'a fait, il l'a fait, je le sais, parce qu'il s'est dit qu'un film qu'on faisait complètement en amateur, il avait besoin de nom. Parce que sinon on n'allait pas pouvoir le vendre. On ne l'a pas fait avec machine et machinette. On l'a fait avec moi parce que j'ai trois phrases. Mais autrement, les autres sont connus, enfin les trois sont connus. Non, c'était très calculé ça. Et ça lui. Parce que, quand même, Melville, Jean-Claude Dreyfus, si on regarde les derniers, bon, les derniers, Serge Renko et l'autre, et les deux derniers films, c'est complètement des inconnus et ça n'a pas marché. Et c'est ce qu'on disait hier. Je ne sais pas si ça aurait été mieux parce qu'il voulait des gens qui collent au personnage. Et, le fait que. Serge devait être russe, des Russes qui parlent français, j'ai fait tout la Russie et tout, j'en ai pas trouvé, donc, et qui étaient célèbres, on n'avait pas, donc je sais pas. Beh, talvolta diciamo che era comunque la sua scelta era molto calcolata perché anche nel fare la scelta di voler fare un film in un certo senso amatoriale c'era però la necessità magari di metterci comunque dei nomi perché comunque altrimenti il film sarebbe stato impossibile venderlo e farlo circolare, quindi è il motivo per cui nei suoi film troviamo Melville Poupeau, Fabrice Lucchini, Pascal Grégory, e insomma era alla fine in realtà era tutto molto calcolato effettivamente. Mais il avait besoin de cette liberté à la fin. Il s'est passé une chose étrange, c'est que Bergman a fait son dernier film, qui s'appelle Sarabande, qui était produit, qui était distribué, pas produit, par les réseaux, avec qui, après Pathé, on a travaillé avec Réseau, parce que j'avais quitté le Los Angeles, et Réseau a distribué Sarabande. Eric n'allait plus au cinéma, il regardait les films à la télé. Moi, je suis allée voir, parce que le réseau m'a invité à aller voir le film, et je suis revenue, et je lui ai dit, ce film est noir, comme d'habitude, mais c'est sublime. Et c'est, je ne sais pas si vous avez vu ça avant, mais c'est terrible. Et Eric m'a dit, est-ce que je peux avoir une cassette? Donc, on lui a fait une cassette, VHS. Il avait du VHS. Et on lui a fait une cassette. Quand je suis arrivée le lendemain, il m'a dit une chose étonnante, que je trouve magnifique. Il m'a dit, j'admire beaucoup Bergman, j'ai beaucoup d'admiration pour lui.
Mais je ne comprends pas qu'un grand cinéaste continue à aller dans le noir, dans la noirceur la plus totale. Parce que Mozart et les plus grands sont l'art est fait pour monter l'humain. L'art doit être la quintessence de ce qu'il y a de plus beau chez l'homme, pas les pyramides, enfin tout ça. C'est, même si c'est une civilisation de la mort, c'est quelque chose qui va vers Dieu, qui élève. Et Bergman, je ne comprends pas qu'il soit allé aussi bas à la fin de sa vie, parce que c'est son dernier film. Comment peut-il se complaire dans cette noirceur totale? Et après, quand on a fait Les Amours d'Astrid Selano, et je suis sûre que ce film reviendra, ce film, c'est le début du cinéma. On l'a fait, pas en amateur, parce que c'est des films qui étaient en costume, mais c'est un film qui monte vers la lumière, qui en plus, sur le genre à l'heure actuelle, puisque c'est un homme qui est obligé de passer par une femme, enfin, il y a une espèce d'élévation quand même qui est une espèce de retour aux origines du cinéma et du cinématographe comme foi en l'avenir. Parce que remarque, moi j'étais noire, je disais, on va dans le mur, la bombe atomique va nous arriver dessus, l'Iran. Il ne croyait pas l'Iran, moi je crois toujours, mais bon. Et Romère me disait, j'ai survécu à deux guerres, je suis née en 20. On me disait, l'homme, sera toujours, dominera tout et je ne comprends pas Bergman. Et ce qu'il y a, ça m'avait bouleversé d'entendre ça, parce que c'est vrai que Romère, à la différence de Bergman, qu'il admirait beaucoup, et ce qu'il y a de terrible, quand Bergman est mort, Romère ne l'a pas vu, parce que, contrairement à lui, quand il est mort, il a tout fait. Et Bergman, quand il est mort, Eric ne l'a pas vu, moi je l'ai vu dans Libé, mais il n'y avait pas grand-chose. Et quand je lui ai dit un an plus tard, mais Bergman est mort, il m'a dit, j'espère que ça ne m'arrivera pas. Et quand je l'ai appelé à l'au-delà, parce qu'il a fait la première page de Libé, la première, je lui ai dit, vous inquiétez pas, tout va bien. On parle que de vous, on sait que vous êtes mort. Mais, fin des comptes. Mais voilà, et ça c'est très intéressant, parce que c'est vrai que même en Bergman, il m'a dit, nos deux cinémas, et par rapport à Bresson, il m'a dit l'inverse. Il m'a dit, toute mon œuvre, on était exactement comme ça. Toute mon œuvre a été faite contre lui et avec lui, parce que Perceval, enfin, et c'est vrai, parce que c'est les mêmes, Bresson et Romère, eux, c'est l'élévation, c'est pas la noirceur. Ouais. J'arrête parce que sinon, je peux continuer. Okay. Ça suffit. Ça suffit. Vi racconto questa cosa appunto che se avete presente l'ultimo film di Bergman che sarà Banda, a me capitò di andarlo a vedere al cinema il film quando Eric non andava più al cinema, guardava film soltanto a casa, però io andai a vedere questo film e gli dissi guarda è un film buio, proprio nero, di quelli proprio neri alla Bergman, però è un film sublime e quindi Romère chiese di poterlo avere in VHS per poterlo vedere a casa e vedendo questo film lui si disse, ricordo questo commento che fece che mi colpì molto e disse io ammiro tantissimo Bergman ma non riesco a capire come lui possa essere arrivato e andato sempre verso questo abisso di oscurità, perché per Romère l'arte era il tendere al bello, quindi il tendere verso l'alto in senso mozartiano, in senso anche nel film, uno dei suoi ultimi film, Gli amori di Astrès et Ladon, c'è una elevazione di nuovo appunto verso il bello cinematografico e verso il bello in generale. E quindi insomma lui continuava, cioè aveva questo così conflitto personale, poi diceva io amo tantissimo Bergman però non riesco a capire come possa essere, tanto è vero che poi quando capitò che, cioè lui venne a sapere che Bergman era morto, lo venne a sapere da me, perché non se ne era effettivamente parlato molto, anche perché Bergman è una persona estremamente riservata e la prima cosa che Romère disse spero che non succeda la stessa cosa, io gli assicurai che avrebbe avuto la prima pagina sui giornali quindi sarebbe andato tutto bene. E, per esempio al contrario invece il rapporto che aveva con Bresson per esempio era diverso, perché il tipo di così modo di sentire il cinema era appunto l'elevazione dell'arte verso l'alto. Scorecchi, che è un critico che Romère aimait beaucoup, si vous avez dit des horreurs sur lui, à la fin a dit de Les Amours et de Céladon, ce film est une horreur. Et c'est vrai que
J'allais dire, Eric, c'est magnifique parce que c'est vrai, c'est une horreur, enfin, c'est le début du cinéma parce qu'il l'a abordé comme ça. Et c'est vrai que Bergman, c'est vraiment le crépuscule avec la nuit, et que Romer, c'est vraiment parce que Bergman est vraiment mort en faisant une chose terrible. Vous l'avez vu ça avant, terrible ce film. Ouais. C'est mortifère, quoi. C'est quelque chose, c'est no future, pas d'espoir, et c'est terminé. Entre les rapports humains, enfin tout, il est atroce, quoi. Et je pense que Scorsese qui a raison, Romer, c'était l'aurore. C'était le. Tout est possible, et chaque jour, le soleil se lève, et à vous, et allez-y, on recommence, et maintenant, il y a des gens jeunes qui peuvent. Et si lui, tout ce qu'il a fait aussi était didactique, c'était, je prends une caméra, il y a deux, non moi qui ne suis pas spécialement bon, on fait tout à trois, et n'importe qui peut, s'il a, peut faire des choses. Croyez, et prenez une caméra, et si vous avez vraiment des idées, vous n'avez pas besoin de 10 millions, 3 assistants, de voitures, de chauffeurs, de, je ne sais pas trop quoi, on s'en fout, et de travelling. Beh sì, effettivamente il Sarabande di cui parlavamo è proprio il crepuscolo di Bergman, perché è proprio un film assolutamente senza speranza, e mentre appunto nei film di Romer c'era sempre un lato di aperture, di didattica in un certo senso, che era proprio quello del concetto di prendete in mano una macchina da presa e se avete delle idee buttatevi a filmare, buttatevi a creare, perché non c'è bisogno di tanti soldi, cioè buttatevi con la macchina da presa per strada e fate un film. Les travelling, on les a fait. C'est pas Godard qui l'a inventé, mais c'est lui qui l'a fait dans Un bout de souffle. Il avait un fauteuil roulant. Godard a fait tous les travelling avec Gene Seberg et Jean-Paul Belmondo avec un fauteuil roulant. Nous, on avait un fauteuil roulant. D'abord, on n'a pas besoin d'autorisation en France si la caméra ne touche pas le sol. Okay. Si elle est sur, donc, j'ai jamais demandé d'autorisation. Et Romer s'est servi de ça. Et c'est vrai qu'avec. Alors, je vous déconseille les fauteuils roulants contemporains parce que les roues sont trop petites et ils ne sont pas bien du tout. Il faut prendre les vieux fauteuils roulants. Per esempio il carrello, quindi il travelling che usava Godard, per esempio, era proprio un carrello appunto vecchio tipo per cui non ci voleva nessuna autorizzazione, perché non ci voleva un'autorizzazione se la macchina da presa non toccava il suolo, effettivamente. Però appunto non vi consiglio i nuovi carrelli, effettivamente quelli del passato erano invece perfetti, benissimo. Io, siccome siamo vicini alla chiusura, vi sollecito a fare delle domande, alzate le mani, accendete un faro, fate qualcosa. Chi lo veda, la signora qui ha una domanda, perché sennò noi possiamo dialogare all'infinito, ma è giusto che voi approfittiate di questa occasione. Una curiosità, il raggio verde della fine, è vero o no? Dans les rayons verts, il y a la fin. Non, il est fou. Ça se voit, il est horrible. Le film, on l'a tourné en 84, il est sorti en 86. On avait déjà tourné 4 aventures de Renette et Mirabel parce qu'on cherchait à filmer le rayon vert. Il est faux. Il a été fait en trucage. Et la première fois où il est passé à la télé, on ne le voyait pas. Il Jules Verne si è rivoltato. Era assolutamente falso, e tra l'altro purtroppo si vede anche, proprio bruttissimo. No, il è tre minuti. Ma hanno provato per 2 anni. Esatto, per 2 anni a farlo, ad aspettarlo e cosa, ma non. Est-ce que vous voyez, c'est tourné aux Antilles, on voit que le contre-champ. Et rouge, ça n'a rien à voir avec le champ. Donc on voit très bien que ce n'est pas du tout dans le même espace-temps. È quello che si vede, è girato nelle Antille, si vede solo il controcampo, però è impossibile. Quindi ogni tanto i miracoli. Se il miracolo di cinema. Dargli una spintarella. Esatto. Siete obbligati di croire per se contraccambio. Esatto. Io, se non aspettando di vedere altre mani alzarsi, scusami Elisabetta, ripeto la domanda precedente, che je me suis mal expliqué tout à l'heure. Pardon, c'est moi qui l'ai compris. Non, ce que je demandais, c'est
Pourquoi, après avoir découvert tant d'acteurs importants, après avoir travaillé avec des acteurs qui étaient déjà importants, de toute façon, il faisait des grands films pour un très grand public. À un moment donné, il décide de tout arrêter, de passer à autre chose. Donc, après les nuits, parce qu'il n'avait plus d'idées. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'avait plus d'idées. Parce qu'il n'avait plus... Tous les contes et tout ça étaient écrits bien avant, il avait toutes les trames. Et quand il m'a appelé et qu'on se voyait, il m'a dit, on a fait ce film et c'est reparti sur d'autres bases, contre les films précédents. C'était contre le système 35, avec Renato Berta, l'image, avec une lourdeur qu'on ne supportait plus. C'est pour ça qu'on a, je ne sais pas, après, on a refait, ça s'est très mal passé sur l'ami de mon ami, parce qu'on est reparti en 35, ça a été l'enfer. Ça s'est très très mal passé. Bon, on a continué, je ne sais pas comment. Sì, insomma, sentiva a un certo punto il, diciamo che non aveva più idee e sentiva questa pesantezza del sistema del 35 mm e aveva proprio bisogno di cambiare proprio qualità. Quindi quando ha chiamato me abbiamo cominciato a lavorare in una maniera completamente diversa e per esempio appunto con degli esperienti tipo l'amico della mia amica era partito in 35 mm, era partito malissimo, insomma aveva proprio bisogno di cambiare completamente. Je pense que Godard a fait l'inverse, j'ai travaillé avec lui sur les derniers films en vidéo, sur et sous la communication et Tour des Tours, et Jean-Luc est reparti au cinéma avec eux, et Romère a fait l'inverse. Donc je pense que je nuis gravement au cinéaste. Peut-être qu'il aurait fait autre chose d'intéressant. Temo di nuocere gravemente ai cineasti, perché Godard ha fatto il contrario, con cui ho lavorato ha fatto il contrario, cioè è tornato al cinema. È tornato al 35. Mi ha demandé di l'écrire avec lui, je lui ai dit non, je suis reparti a Paris. Ok, mi ha chiesto di scrivere appunto un nuovo film con lui, ma io gli ho detto di no e me ne sono andata. Bon, enfin, en même temps, j'ai la chance d'avoir travaillé avec les deux cinéastes les plus caractériels du cinéma français, et ils le sont tous. E io devo dire che ho avuto la fortuna di lavorare con i due registi più proprio caratteriali del cinema francese, che vuol dire a tutto tondo, quindi caratteriali nel senso caratteristico e con un carattere particolare, e lo sono tutti in realtà, proprio in maniera totale. Beh, così caratteriali che Romer mi raccontava, Françoise poteva rifiutarsi, insomma, fare molti capricci quando personaggi anche di enorme importanza chiedevano di incontrarlo, ma vorrei che fosse lei a raccontarlo. Mi aveva raccontato tutta l'ora che Romero non ha pas voulu incontrare ces deux. Donc après j'arrête parce qu'il parle beaucoup mieux que moi. C'est quand la Cinémathèque française a déménagé de Chaillot à Bercy, parce que les locaux étaient trop petits, c'est Serge Toubiana qui a inauguré la nouvelle Cinémathèque à Bercy, et Martin Scorsese a accepté de venir, parce que c'est un grand, grand cinéphile, et il a demandé, comme cadeau, à rencontrer Romère. E quando la Cinémathèque française si è spostata dal Palais de Chaillot e si è spostata a Bercy, è stato Serge Toubiana a inaugurarla insieme a Martin Scorsese, che da grandissimo cinefilo qual è, si era appunto era andato ad inaugurarla insieme a lui e aveva chiesto di poter incontrare Romère come regalo. On était toujours en train de travailler avec le téléphone en bakélite. Et Serge Toubiana appelle, c'est moi qui décroche évidemment, parce qu'on ne savait jamais trop. Enfin. Et là, Serge me dit, Martin Scorsese va venir inaugurer la Cinémathèque. Il a demandé comme cadeau à rencontrer Romère. Eric était là, parce qu'il y avait juste le bureau. Il faisait... Et donc, il faisait plein de grimaces, comme d'habitude, n'importe quoi. Et là, je dis à Serge, excuse-moi, il n'est pas là, je lui pose la question, et boum, je raccroche. Il me dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe?
E allora quando è successo questo, appunto, ricevo una telefonata da Sergio Biennale, avevamo il telefono appunto sul tavolo, c'ero Eric, era davanti a me, e mi chiama Tubiana dicendo: guarda, viene Martin Scorsese a inaugurare la Cinemateca, ha chiesto come regalo di poter entrare, di poter incontrare Eric. E intanto, mentre io parlavo, vedevo Eric faceva delle facce e cose, quindi io dico a Tubiana: guarda, aspetta, glielo chiedo, adesso non c'è, glielo chiedo e poi ti rispondo, e metto giù il telefono. E là Eric mi dice: qu'est-ce qui se passe? Mm-hmm. E je lui dis: Martin Scorsese arrive à Paris, il va inaugurer la Cinémathèque, c'est un cadeau qu'il fait à la Cinémathèque, et il a demandé à vous rencontrer. Eric se met à brailler, comme d'habitude, en faisant: non, je veux pas le voir, je veux absolument pas le voir. Et je lui dis: mais ça va pas, nous. Il me dit: je ne parle pas anglais. Je lui dis: moi, je parle, je comprendrai très bien, je traduis. Il me dit: non, il faut parler directement, et ensuite, je n'aime pas ces films. Ok. E quindi Romer mi chiede cosa succede, qual è il problema, e gli dico: guarda, Scorsese viene a fare un regalo alla Cinemathèque inaugurandola, e chiede come regalo in cambio di poterti incontrare. Lui comincia a dire: no, assolutamente non voglio, perché non parlo inglese e quindi non ci capiamo. E dice: ah, posso tradurre io? No, dobbiamo parlarci direttamente, non so, e poi non mi piacciono i suoi film. Et ensuite me dit: mais je l'admire beaucoup comme cinéphile, parce que c'est un immense cinéphile, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais il est hors de question. Donc j'ai rappelé Tubiana pour lui dire: on est très occupés. Alors je lui dis: mais je dis quoi, moi? On tournait pas. Il me dit: dites que l'on est très occupés. Mais Serge l'avait vu peu de temps avant, et je lui dis: on prépare, on fait rien de spécial, quoi. Et là je rappelle, Eric était en face de moi, il m'a fait... Et je fais: écoute, c'est très ennuyeux, on est très occupés. Il vient d'arriver et lui, il me dit: tu te moques de moi. Il m'a pas dit ça, il m'a dit: tu te moques de moi. Mais il m'a dit: tu te moques de moi, tu m'as dit que vous étiez... Et je lui dis: non, on est très très occupés. Et Eric me faisait accrocher. Et là, j'ai fait: pardon, mais voilà. Il m'a dit: mais qu'est-ce que vous faites? J'ai dit: on est très occupés à boire du thé, quoi. Très occupés à boire du thé et à parler, quoi. E insomma, Romero ammirava Scorsese moltissimo come cinefilo, perché sappiamo che è un grandissimo cinefilo, però insomma era fuori questione che lo vedesse, quindi a me tocca richiamare Tubiana e dirgli: guarda, mi dispiace tantissimo, ma siamo occupatissimi. Lui aveva incontrato Eric poco tempo prima, che gli aveva detto: sì, sto preparando delle cose, ma senza fretta, quindi mi dice: scusa, ma mi prendi in giro? E intanto c'era Eric che mi diceva dall'altra parte: riaccancia, siamo occupatissimi, riaccancia. E io gli ho dovuto dire: e non ha pas vu. Mi dispiace. Scorsese. E non Scorsese non ha incontrato Romero. Pare che n'était pas content. E non era, pare che non fosse molto contento di questa cosa. Alors, Scorsese, je m'en veux. Enfin, j'aurais préféré, parce que maintenant il serait utile. Mais, en revanche, là où je ne suis pas contente du tout, c'est Sean Connery, James Bond himself, a écrit une lettre de 2 pages. À Eric Romer en lui disant que c'était le cinéaste qu'il admirait le plus au monde et qu'il voulait tourner avec lui. À quelle année c'est ? Ça, c'était bien avant, c'était en 90 ou en 88, enfin c'était vraiment... Il voulait tourner avec Romer. Il a écrit que c'était le... S'il avait un rôle pour lui, il adorerait tourner avec lui, que c'est le cinéaste. Alors moi, Sean Connery, c'est autre chose. C'est James Bond, je voulais le voir. Ouais. Donc j'étais à genoux et j'ai dit: je veux le voir. Il m'a dit: je parle pas anglais. J'ai dit: je m'en fous. Non. C'est James Bond, je veux voir James Bond. Poi è capitato che Sean Connery ha scritto una lettera a Romer dicendogli tutta la sua ammirazione, dicendogli: se lei potesse, mi piacerebbe da morire poter girare con lei, qualcosa con lei. Dovevano essere tipo 1990, da quelle parti là, e l'ammiro moltissimo. Romer ovviamente non ne voleva sapere, cioè non parlo inglese, e lì a quel punto però gli ho detto io: no, guarda, è 007, James Bond, a questo punto lo voglio vedere io. E immagino che non parli di
acteur anglais, il a un accent, il pourra, je n'ai rien à faire avec James Bond, et je ne vous ferai pas plaisir en recevant James Bond. J'étais très en colère. E niente, non c'è stato verso perché lui ha continuato a dire io comunque con attori inglesi non giro perché comunque hanno l'accento, cose, niente, io ero veramente arrabbiatissimo. Ma la cosa incredibile, non so se l'hai detto, è che Sean Connery voleva fare un film. Sì, voleva girare con lui. Il lui ha demandé, lui ha dit j'aimerais que vous teniez un rôle pour moi, vous êtes le cinéaste que j'admire le plus au monde. Il y a ce papier est quelque part dans les archives, c'est une lettre. E c'è ancora la lettera da qualche parte negli archivi di Romer perché era proprio e signé, Sean firmata Sean Connery. Ma James Bond. Non James Bond. Curiosità, domande dalla sala, poi non vi capiterà mai più. Niente, io posso andare avanti. Racconterò io una storiella personale minuscola, ma che acquista un suo significato. Io ho incontrato Romer una volta sola grazie a Margaret Ménégoz, che era stata per anni la sua produttrice ai film di Los Angeles, di cui ero amico in una certa epoca, insomma, con grandi sforzi diplomatici, a differenza di Sean Connery e Scorsese, io sono riuscito a farmi ricevere da Romero, ma a una condizione, ci siamo visti appunto ai film di Los Angeles, tutto era quindi in ufficio, nessuna, come dire, violazione della privacy, era uno spazio neutro, ci siamo incontrati, non so, l'appuntamento era dalle 11 alle 11.30 e così è stato, non un minuto di più, e io avevo diritto a parlare con lui solo, era il 94 se ben ricordo, della questione del digitale, perché erano i primi anni in cui il digitale cominciava veramente, si cominciava a girare il digitale, insomma era chiaro, soprattutto questo era quello che stava a cuore a Romer, che il digitale avrebbe fatto fare un enorme passo avanti al problema della conservazione della memoria cinematografica. Grazie al digitale finalmente non avremmo più avuto copie infiammabili, non infiammabili, insomma negativi. L'analogico, la pellicola si deteriora molto più velocemente. La teoria di Romero è che il digitale sono numeri, i numeri sono eterni, basterà rinfrescare, come dire, passare, qualcosa che poi si è scoperto non essere passato. Lui era molto, molto ottimista, vedeva. Quindi quest'uomo così conservatore, così legato, con studi classici, letterari, eccetera, poi invece aveva un occhio sul futuro molto, così, molto, molto acuto. La cosa curiosa, anni dopo, quando poi purtroppo è morto negli stessi giorni in cui nelle sale di tutto il mondo trionfava Avatar, che è veramente l'opposto, io non posso immaginare niente di più lontano dal cinema di Eric Romer. In questo film tutto appunto generato ridisegnato, riscritto, insomma, rifatto al computer. Però in qualche modo invece c'è una connessione fra questi due mondi. Ma soprattutto poi con Romer se n'è andato forse uno degli ultimissimi registi che, come dice nel suo libro Françoise Echegaray, era, per il suo cinema era pronto a tutto, anche a morire. Vous parlez de ça, vous dites il était prêt à mourir. Pour le cinéma. C'était une question de voir aussi. C'était sa génération. C'était une question de vie ou de mort, le cinéma. Mais c'était valable pour Fellini, je pense. C'était valable pour tous les gens. C'était pas un statut social ou un truc pour aller dans les festivals où il n'est jamais allé. C'était vraiment une question de. J'ai vu Godard pouvait pleurer Eric jamais. Mais Eric, il vomissait comme moi. Mais on était malade. On est mieux, mais c'est terrible. Eric était malade. Il a été malade physiquement. Il n'arrivait pas à manger, il n'arrivait pas à. C'était un truc physique, tellement le cinéma, chaque plan, je ne peux pas. Enfin, c'est une question de. Je ne sais pas comment dire. Et j'ai vu Godard pareil. Jean-Luc pleurait, alors lui pleurait, quand il n'arrivait pas à trouver. Comme il n'avait pas de scénario, il était dans un état d'angoisse et de. Parce que c'est vital. C'est vital. C'est une question de vie ou de mort. Oui, absolument.
Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Beh, erano sicuramente Romer, come anche poi Godard, ma anche Fellini, erano una generazione di, effettivamente, di registi, di cineasti, per cui il cinema era, e i film erano una questione di vita o di morte. Quindi per loro, soprattutto per esempio Godard, che girava costantemente senza una sceneggiatura, cosa Godard, io l'ho visto piangere, perché avevo un'angoscia addosso totale mentre girava un film. E la stessa cosa appunto Romer, erano proprio malati di cinema, malati proprio fisicamente, erano stato fisico. Sono dei gens qui vivevano il cinema di façon fisica, ma a un point. Mon Godard, il mangeait des sardines, il mangeait absolument rien. Et je regrettais de jamais travailler avec Chabrol, qui mangeait tellement bien. Et quand j'ai rencontré Chabrol, je lui ai dit, j'aurais tellement aimé travailler avec toi, de temps en temps, si je devais faire un film. C'est le seul qui mangeait la cuisine. Sì, erano veramente, proprio per loro il cinema era qualcosa proprio di fisico, tanto è vero che Godard per esempio mangiava solo sardine, era una cosa tragica, e io, a me è sempre dispiaciuto molto non aver lavorato con Chabrol, che invece era l'unico che era una buona forchetta e mangiava benissimo. Beh sì, erano piuttosto ascetici, anche il Rivetto, non lo vedo, no, a tavola, Truffo detestava il tempo che si perdeva a mangiare. Romer ne voulait pas qu'on aille au restaurant, c'est pour ça que je faisais à manger avec les acteurs, parce qu'on perdait du temps. Du temps, ouais. Quindi non si andava al ristorante perché era una perdita di tempo. Il cinema era molto più importante della vita, ecco. Oggi, oggi è difficile forse, no? Trovare appunto e questi registi, autori, no? Oggi si parla di prodotti, non si parla più di film, ecco. C'était très bizarre. Et c'était pas une question d'argent. C'était une question de mobiliser, de ne pas perdre du temps. Et il aimait beaucoup Chabrol. Il avait beaucoup aimé. Il aimait beaucoup Chabrol. Il a dîné avec lui pendant Comte d'été, parce que Chabrol était au festival de Dinard. Il nous a appelés parce qu'il voulait voir Romer. Il m'a dit, c'était horrible, on est allé au restaurant. Era proprio la questione del ristorante, era proprio una, non era una questione di soldi, era proprio una questione di perdita di tempo, tanto è vero che capitò che Chabrol era al festival di Dinard mentre giravano con De Té e chiese di vedere Romer, e andarono a cena insieme e Romer tornò dicendo mamma mia, è stato terribile, siamo andati al ristorante. E pendant le tournage de Comte de Printemps, Hugues Kester, qui jouait quand même le rôle principal dans le film, pour m'aider, puisqu'on ne voulait pas aller au restaurant, épluchait des légumes et faisait cuire à manger pendant qu'on tournait les prises avec les filles. Et Hugues, il s'est fait vraiment engueuler parce que l'ingénieur du son a entendu le gaz sous la cuisinière, il faisait du bruit au son. Et Romer est allé passer une rafale à Hugues en lui disant « Mais pourquoi vous faites cuire de la nourriture ?» Mais c'était horrible. Alors que Hugues, c'était pour quand on m'aidait, parce que moi je pouvais pas en même temps être sur le plateau et en même temps faire la cuisine. Era proprio una cosa che avevo anche sul set, nel senso che se magari cercavano di cucinare mentre si facevano altre riprese eccetera, ma c'era il rumore del gas che dava fastidio al sonoro del film, e per cui Romer si arrabbiava moltissimo, ma perché cucinate durante le riprese, non serve a niente, perché? E Pascal Grégory mais simplement le dimanche, parce qu'autrement il y avait une dame au château. Et Pascal faisait la cuisine, et Fabrice Lucchini, non, jamais. Okay. Ils n'étaient pas ensemble. Okay. Bene, su queste note culinarie, siccome l'ora di pranzo si avvicina, io lancio un ultimo appello disperato per le domande, dopodiché, ecco, sapevo, sentivo che lì c'era. C'est Bresson qui était à côté, parce que moi je travaillais avec Bresson, je connaissais vraiment. Mais il admirait Bresson, mais il ne se voyait pas du tout, parce qu'ils étaient comme ça. Mais en revanche, non, Romer s'estimait au-dessus
je pense. Quand même. Ok. Non, mais ça, il ne le disait pas, parce qu'il était d'une humilité totale. En revanche, il cherchait à avoir des disciples, des gens. Il allait voir les films et il m'avait dit au début Desplechin, le premier film de Arnaud. Le premier film d'Arnaud Desplechin, le truc, La vie des morts. Eric, on est allé le voir au cinéma et il m'a dit ah, celui-là, pour une fois, voilà, c'est intéressant. Et puis après, il m'a dit ah bah non, chut, bon. En revanche, il a beaucoup aidé Jean-Claude Brissot. Mm-hmm. Et Brissot, c'est grâce à lui qu'on a. Parce que Marmarette, elle ne voulait pas voir Brissot, qui ressemblait à rien. C'était pas mon nom. Et c'est Romère qui a fait Brissot et qui a obligé le Losange à produire. Il a dit c'est comme ça, je ne demande pas de discussion. Et il a aidé Jean-Claude Brissot, qui l'a aidé. Mais après, il m'a dit bon. Lui aussi, là. Bah ouais. Brissot, il a beaucoup changé. Bon, mais en tout cas, Romère a fait Brissot, il l'a aidé. Et il a Desplechin au début, La vie des morts. Il m'a dit, voilà. Mais qu'il admirait des gens, il admirait Murnau, il admirait Griffiths, Renoir, Antonioni, pas trop Fellini, pas du tout Fellini. Mais en revanche, il admirait beaucoup toute la nouvelle vague et surtout Rossellini. Et Rossellini, parce que moi j'étais retournée là, je les ai revus. Il m'a dit que ça avait été une révélation parce que c'est son film le plus connu avec Ingrid Bergman, qui est Stromboli. Et il m'a dit, au début j'étais comme ça, et d'un seul coup, il m'a dit ce type marrant. Il m'a dit je l'admire. Et bon, d'élévation. À propos d'élévation, Stromboli, c'est le maximum. Il ne peut pas. Romère n'est jamais allé jusque là. Il l'admirait à cause de ça. Ouais. Mais il l'admirait alors qu'il l'a rencontré. Je pense, il ne l'a pas rencontré. Ou peut-être l'a-t-il rencontré, mais bien avant moi, parce qu'ils étaient contemporains. Donc il a admiré des contemporains avant que moi je travaille avec lui. Après, je n'ai pas le souvenir, à part Arnaud, Desplechin. Autrement, les grands cinéastes italiens, Renoir, qui l'a connu, parce que Renoir est mort, Renoir l'a fréquenté, mais pas dans les contemporains actuels, quoi. Les nôtres, quoi. Ouais. Pas ben les noms, c'est toujours qui sont encore là. Beh sì, diciamo che nella sua ammirazione c'era sicuramente l'ammirazione per i grandi, c'era intanto Bresson, c'era, con cui però si ammiravano ma non si incontravano assolutamente, e poi aveva ammirazione per i grandi registi come Murnau, come Renoir, che invece aveva conosciuto, come Antonioni, come Rossellini, era rimasto molto molto colpito da Stromboli, per esempio. E, diciamo che in un certo senso, nel fatto di incontrarli, lui in realtà si sentiva un pochettino superiore, anche se in realtà era una persona di un'umiltà totale, per cui non lo dimostrava, però non aveva questo desiderio di incontrarli. Invece gli interessava sui contemporanei farsi dei discepoli, cioè per esempio a un certo punto aveva puntato Desplechin e aveva deciso che poteva essere un buon discepolo effettivamente da coltivare, poi in realtà si è un po' persa la cosa, e la stessa cosa è successa con Brissot, che invece ha preso appunto in un certo senso sotto la sua ala, però sì, diciamo era più per creare dei discepoli. Et on a aidé des gens, on a aidé Vecchiali, on l'a jamais récupéré, j'ai prêté quand même 30 000 euros pour finir le mixage d'un film qui n'est pas bien, je me souviens plus du titre, qui allait à Cannes. Okay. Et on a donné à Vecchiali parce qu'il aimait beaucoup Vecchiali, mais il aimait bien Rouche, mais ce n'est pas des gens qui lui servaient. Jean Rouche, il aimait beaucoup Rouche, Jean Rouche. Non, il n'a pas aidé Rouche, mais il avait beaucoup d'admiration pour lui, mais comme ethnologue, comme défricheur, mais c'est des gens qui l'admiraient, mais pas comme grand cinéaste, il pensait. Enfin, pour lui, les grands modèles étaient des modèles énormes. Rouche était un contemporain qu'il aimait beaucoup. On n'a pas aidé Jean. On n'a pas aidé Jean Rouche. Mais on le connaissait, il l'admirait beaucoup, il l'a fréquenté. Il avait quand même. Mais ça, c'est avant. À partir du Rayon Vert, on n'a plus vu tellement. On a aidé Vecchiali parce qu'il nous a demandé de l'aider parce qu'il n'avait pas d'argent. Il l'a aidé en lui disant c'est Vecchiali, peu importe.
Et il le faisait comme ça. Quoi. Il m'a signé un chèque. Je lui dis, c'est pas moi qui le signe, c'est vous. Ouais. Et il a signé le chèque de 30 000 euros. Okay. Il m'a dit, c'est combien? Je lui ai dit, c'est 30 000 euros quand même. Il m'a dit, ah, il n'y a pas de problème. Okay. Non, mais c'était quand même un geste que je ne vois pas trop les gens contemporains faire entre eux à leur rituel. Pour un film, ils ne savaient même pas ce que c'était. C'était juste avec elle. No, aveva anche proprio della, così, più che ammirazione, amava anche aiutare alcuni contemporanei in cui era amico e che ammirava come cineasti, effettivamente, tipo Vecchiali, per esempio, che aiutò a finire un film che doveva andare a Cannes prestandogli 30.000 euro, così, a fondo perduto, e anche se poi appunto i suoi riferimenti a livello cosa erano molto più alti. Il aimait bien certains cinéastes, comme Biette, comme Frocutaz, comme toute cette marge un peu... cinéastes français qui ont été très très marginaux, mais bon, il n'avait pas une admiration, mais il disait bon, au moins ils essaient quelque chose. C'est pour ça qu'on a pris Biette, qui était un ami que j'adorais, qui était critique aussi, qu'on a pris dans Contes d'hiver. Biette, il est juste dans une soirée, et bon, mais il n'aimait pas spécialement, mais il trouvait qu'il y avait quelque chose. Frocutaz, Biette et. Sì, amava alcuni registi contemporanei francesi un po' marginali, che magari non erano appunto dei grandissimi registi, però amava il fatto che avessero in qualche modo così fatto dei tentativi, provato qualcosa un po' fuori dagli schemi, effettivamente. Non so se hai detto i nomi, in particolare si parlava di Jean-Claude Biette e Gérard Frocutaz, che sono pochissimo noti. In Italia Jean-Claude Biette è un gruppo storico dei Cahiers, e regista insieme. Bene, prima che cali il sole, che oggi non c'è mai stato, io tengo a ringraziare moltissimo Elisabetta per la sua traduzione fantastica, attentissima. Grazie. François, non devo toccare la spalla, no. Non è, non l'avrebbe mai fatto. Grazie. Vengo a ringraziare Fiammetta e tutto il Bergamo Film Meeting per questa idea, per questa magnifica retrospettiva. Chiudo con due notizie, una buona e una cattiva. La cattiva è che piovono corde, come direbbe un francese, cioè tanto. La buona è che possiamo, alla faccia della Nouvelle Vague, andare a pranzo.